Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Nous sommes le mercredi 29 octobre. C'est pas encore Noël, mais les ministres du gouvernement Charest ont reçu de gros cadeaux aujourd'hui. Voici le bilan de la journée. Une vache pour chaque ministre. On va crever. On s'en va vers la faillite tant qu'il n'est pas vite. C'est ce qu'on fasse. Mais le gouvernement Charest s'en remet à Ottawa. Le gouvernement fédéral a un rôle. Et là, on est en pourparlers justement pour qu'ils puissent, eux, poser un geste. Faut-il craindre la milice patriotique québécoise? Un ancien membre pense que oui. Californie, les prières et le temps plus humide ne sont d'aucune utilité. Ils avaient promis de revenir faire leur tour. Eh bien, ils ont tenu promesse. 4000 producteurs de bœuf, bêtes à l'appui, sont allés dire au gouvernement qu'ils sont vraiment au bout du rouleau. Mais ils sont repartis bredouille. Québec leur a dit que c'était au tour d'Ottawa de faire sa part. Paul Larocque. Il pleuvait à torrents, diront certains. Il tombait des cordes, diront les...